Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la boutique Cascassé. Merci de me retrouver pour un nouveau plan with me. Cette semaine, j'ai plein de nouveautés à vous montrer. Donc, ça commence déjà, comme vous pouvez le voir, par mon nouveau planeur. Oui, bon, j'ai craqué. J'avoue, je commençais à me lasser un peu de celui que j'avais avant, donc avec les ananas. Comme vous savez, les planeurs de chez Mambi font 18 mois. Ça fait un an que j'ai le mien et j'avais un petit peu envie de changement. Donc ce que j'ai fait, je n'ai pas perdu le reste. Hein. Tout simplement, les 6 derniers mois de l'année, eh bien, je les ai enlevés. J'en ai fait un nouveau planeur pour quelqu'un, donc que j'ai offert. Et j'ai récupéré, donc, pour avoir une année complète, les 6 derniers mois de celui-ci. Donc c'est juillet à décembre 2019, hein, si je ne me dis pas de bêtises. Je les ai récupérés et je les ai mis dans le planeur, donc, que j'ai fabriqué. Donc j'ai modifié un petit peu les mois. Donc j'ai collé des petits stickers sur les numérotations des journées pour pouvoir faire coller ça à l'année prochaine. Voilà, donc ça, celui-là, je vous montrerai pas, je vous en parlerai pas. Par contre, je vais vous montrer un petit peu ce qui a changé dans celui-ci par rapport à celui que j'avais l'année dernière. Donc déjà le format, je suis restée sur des petits anneaux, tout simplement parce qu'il y a des choses dans mon planeur l'année dernière qui ont plus ou moins bien marché et que je ne souhaite pas renouveler dans celui-ci. Je vais vous montrer la différence déjà entre celui que je viens de commencer et celui de cette année. Donc vous voyez, il est bien dodu. Et pour cause, j'avais rajouté dans ce planner pas mal de choses, notamment l'insert budget. Alors je vais continuer, hein, l'insert budget, je m'en sers. Le fait est que l'inclure dans mon planner, quand on est plusieurs à s'en servir, c'est pas super pratique. Donc je vais tout simplement le mettre à part. J'ai des anneaux en rab, donc je le mettrai à part du planner. Il sera indépendant et ça sera pas plus mal pour moi. Ensuite, j'avais mis à chaque fin de mois, j'avais fait des pochettes. Donc ce sont des pochettes de chez Mambi, hein, donc des pochettes Project Life. Donc je gardais tous les souvenirs qui m'ont particulièrement marqué dans le mois, à la fin de chaque mois, dans des pochettes comme ça. Et je ne vais pas renouveler ça cette année pour une simple et bonne raison, c'est que je suis devenue tellement accro au Happy Planner que j'ai fini par me mettre au Memory Planner. Donc j'ai un Memory Planner et pour le coup, bah, je vois plus l'utilité de ces pochettes, même si j'aimais bien l'idée à la base. Voilà, aujourd'hui elles me sont plus utiles. Donc ça va sérieusement réduire la taille de mon planner, ce qui n'est pas plus mal parce que finalement c'est quand même plus pratique comme ça. Alors cette semaine, je vais commencer par décorer la vue mensuelle du mois d'août. Et pour ça, je vais utiliser des nouveaux blocs que j'ai reçus en boutique. Alors tout d'abord, mon bloc coup de cœur, Squat Goals. C'est un bloc qui est très très féminin, très girly. Il reprend un peu les saisons. Donc je vais vous le montrer un peu rapidement. Donc là, on est en été. Vous voyez, c'est l'été, mais les couleurs sont quand même très douces. Donc j'aime bien, je trouve que c'est assez dans le thème de mon nouveau planner. Il reste avec des couleurs très très douces. Hop. Donc il y a quand même pas mal de déco. Hop. Là, on doit être au printemps. Pour celui-ci. Ensuite, on a un bloc de citations. Donc là, il y a un peu de tout, un peu de toutes les couleurs. C'est ce qui m'a plu. Et alors là, c'est pas mal de. Là, les premières pages, c'est des stickers qui sont transparents. Hein. Là, tout ça aussi.
Donc il y a un peu de tout, il y a des stickers sur l'hiver, sur Noël, sur le printemps, il y a un peu toutes les saisons aussi, voilà, l'automne. Et puis il y a des trucs un peu plus, il y a des choses un peu plus générales, pardon. Donc, tout ça, c'est transparent. On en a même avec du rose foil, du gold rose foil. Du foil rose gold, pardon. Voilà. Quand on met les choses dans l'ordre, c'est mieux. Celui-ci, je l'attendais. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me manquait dans mes blocs. C'est des petites boîtes toutes simples pour écrire des choses, pour ajouter des choses. Juste des petites boîtes. Ça, c'est quelque chose que j'arrivais à trouver chez d'autres marques ou. Ouais, chez d'autres marques, pas forcément spécialisées planeurs, mais c'est vrai que chez Mambi, on n'avait pas trop que quelque chose comme ça. Et du coup, ça c'est super sympa parce qu'en plus, vous avez des thèmes couleurs. Donc vraiment, celui-ci, je pense qu'il va beaucoup me servir et je pense même que ça sera un basique à renouveler assez régulièrement. Pour ma part. Hein. Hop. Oui, j'ai déjà commencé à m'en servir. Et je crois qu'on finit avec du doré. Voilà, c'est ça. Hop. Bon. Ce sont les mêmes, hein. À chaque fois, vous retrouvez exactement les mêmes pages. C'est juste les couleurs qui changent. Et le dernier, qui n'est pas une nouveauté, mais que je viens de faire entrer moi dans ma collection personnelle, tout simplement parce que ça me manquait des petites choses, des petites décorations à mettre par-ci, par-là. Ça me manquait un peu souvent, vous savez, dans les blocs Mambi, on a des citations, des fleurs et des boîtes, mais pas vraiment de petits dessins, de choses comme ça. Donc celui-ci me plaisait bien pour ça. Voilà pour les blocs, je vais maintenant décorer ma vue mensuelle du mois d'août. À tout de suite! Thank you.
pour cette vue mensuelle du mois d'août. Je vais m'arrêter là car je pense qu'il y a des choses qui vont venir s'intercaler. Je dis assez souvent, hein, je prépare mes vues mensuelles en sachant déjà que j'ai des choses de prévues à certains moments, mais j'en rajoute et du coup, quand je rajoute des rendez-vous ou des choses à faire, je peux aussi rajouter, il m'arrive régulièrement de rajouter des stickers et de la déco au moment où je le fais. Donc c'est vrai que vous voyez une base, mais souvent ça a évolué entre le début et la fin du mois. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Voilà pour l'envie du moment. Des couleurs douces et pour autant le thème de l'été qui reste présent. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous mets en commentaire tout le matériel que j'ai utilisé pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt!